Yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on réagit à nos anciennes photos quand on était petit, partie 2. Donc en fait on n'avait pas d'idée de vidéo pour ce samedi, du coup on s'est dit bah tu sais quoi, il nous reste plein de photos, pourquoi pas faire une partie 2. En plus la première partie vous l'avez juste surkiffé, donc ça fait super plaisir. C'est parti pour la partie 2. Let's go. Donc voilà les mecs, dans la partie 1 vous avez pas montré toutes les photos, mais franchement il y en a. Dans la partie 2 vous allez voir, c'est des pépites. Donc c'est moi qui les ai triées, donc là je les ai pratiquement, ouais je les ai toutes vues et Young les a pas vues. Donc là il va découvrir, moi je les ai déjà vues mais c'est vraiment juste épique. Donc on commence directement avec la première photo. Donc déjà c'était au lac, comme vous pouvez le voir c'est moi. Elliot toujours en orange, Léon toujours en rouge. Donc je sais pas pourquoi je faisais cette tête les gars, mais en tout cas j'avais l'air de bien m'amuser. Et vraiment ce que je pense qu'on faisait là exactement, c'est que à chaque fois comme nous on habite en montagne, il y a un lac, tu vois, il y a des lacs juste à côté. Et on va toujours pique-niquer et nous on va toujours dans l'eau attraper les grenouilles, les poissons, la masse, les poissons avec les puisettes, etc. C'est tellement du feu les mecs, c'est trop bien franchement. Les gars on avait 6 ans, on attrapait les grenouilles à la main, les poissons à la main. Et ouais, on des bras. Ça fait que des poissons en fait, c'est trop bien. Tu vas pique-niquer au lac, ensuite tu prends ton épuisette, tu pêches les poissons, tu les mets dans un seau d'eau. Au final, le seau d'eau, il y a plus de poissons que d'eau. Il y a des grenouilles, elles s'enfuient du coup. Ouais, vraiment, tu les vois, elles sortent et tout. C'est n'importe quoi. En vrai, je sais pas si on avait attrapé, parce que quand même, on était petits, si on attrapait, parce que je me rappelle les poissons des lacs, ils vont vite. En tout cas, ça rappelle un bête de souvenir. Franchement, c'est dommage. Après, les gars, on passe à la deuxième photo. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est toujours au lac, les gars. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a Lilian qui est juste ici. Ah merde. Ah bon, voilà, là il y a Lilian qui est juste ici. Moi je suis là et comme je vous avais dit, on essaie de les attraper. Et moi j'étais un vrai homme les gars, j'y allais aux mains. Non, on avait qu'une épuisette, on devait se la partager. Du coup moi je prenais l'épuisette, lui prenait les mains. J'ai rappelé un truc, on avait deux épuisettes, la bleue et la orange. Ah oui, elle se cassait. Ouais, ah ouais, et elle s'est cassée parce qu'il y avait sûrement une grenouille, je sais pas quoi. Et les gars, je vous jure, on était des meurtriers. Je vous jure qu'on prenait les poissons, les mecs, il y avait des cailloux et du coup, des fois ça s'enfonçait, ça tordait et puis tout. Ouais, on était cassés, genre tu pouvais faire comme ça, on avait une bleue, je me rappelle. Avec le petit Bob, là, gradure. Tu te rappelles pas le saut jaune? Non. Qu'on mettait dans la buanderie. Ah oui! Ah ouais, on veut chier ça. Regardez les mecs, on avait carrément les mêmes t-shirts et les mêmes shorts franchement. Ouais, et les crocs c'était les... Ah ouais, on avait tout pareil, la même bombe et tout, c'est pas la même couleur. Ensuite il y a cette photo, est-ce que tu t'en rappelles hein? Franchement les mecs, ça rappelle grave de bons souvenirs. Je crois que c'était en Thaïlande les mecs, on devait aller dans une grotte, un truc comme en ça. Gros, je vous explique, en fait on était sur une petite île et ce qu'on allait faire c'est un peu une aventure ou quoi. En arrivant on était en short et je vous explique, on traversait tout. Donc ça pouvait être de l'eau glacée, c'était vraiment trop bien, c'était l'eau glacée, l'eau chaude. En gros on arrivait, ouais, on était avec un groupe, tu vois, avec un guide et tout, et on traversait l'eau glacée. Après on passait dans des tunnels, après on prenait des yachts, etc. On faisait des sauts, genre en fait c'était un gros parcours, pas un parcours les gars. Genre c'était naturel, mais nous on tout traversait. Genre on a traversé une espèce de truc, mais c'était tellement stylé parce que c'était naturel, il n'y avait pas de truc qui était fait par l'homme. Genre t'arrivais, tu pouvais faire la liane, après il y avait un truc d'eau chaude, après tu passes dans une grotte, après il y a de l'eau froide, tu dois traverser avec ton sac et tout. En tout cas les mecs, c'était vraiment cool de partir en vacances, manger chez des locaux, etc. Pour moi c'est ça les vraies vacances. Ouais, découvrir, pas de rester à la piscine et de manger à des restaurants français en Thaïlande quoi. C'est découvrir les locaux, visiter, etc. Surtout ce qu'on fait les gars, c'est que quand on part en vacances, genre on reste jamais plus de 3 jours dans le même hôtel en fait. Quand on part en Thaïlande, on fait 10 trucs différents en fait. On fait 2 jours dans un hôtel, une nuit dans cet hôtel. On visite toute la Thaïlande quoi en fait. Ouais, voilà, genre on fait tout. Donc là, on avait quoi hein? Un truc de Peter Pan, on dirait le chapeau à Peter Pan. Ouais, bah je vous ai dit, on était dans la savane un peu, tu vois. Ah mec, ta tête, what the fuck. Il avait encore ce petit machin là. J'avais les cheveux blonds en haut. Oui. Non, pas les trucs noirs. Mec, c'était quoi ta coiffure? Après les gars, donc là il y a moi et Lilian comme vous pouvez le voir. Donc moi je t'habillais tout en réal, chaussée du réal, baillet du réal, en haut du réal. Et Lilian tout en Barça. Je me rappelle que ces maillots on les avait achetés en face de notre soeur quand elle était allée en Espagne. Ouais, on les avait ramenés. On avait les mêmes crampons, ce ballon je m'en rappelle les gars. Oh je vois, c'est trop l'Europe, ça va être le seul entraînement. On a pris une gourde les mecs, franchement on prenait jamais de gourde, etc. Mais là on avait les mêmes crampons. Franchement mon ensemble de Neymar les mecs, rouge et jaune, il était tellement stylé. Et pareil le truc du réal aussi, il était tellement stylé mec. Ensuite, les gars, cette photo, pour moi, je l'ai pas vue. Hein. Donc là, les gars, ça devait être sur notre balcon. Il devait y avoir une tempête de neige, on devait faire un igloo. Mais regardez mes gants. Oh, c'était même pas mes gants, je sais pas. Eh, hey, il y avait une tempête de neige, nous, on était là. Moi, je rigolais. Salut!
Elio, il dit, prends la photo vite. Mais what the fuck, toute la neige qu'il y avait par contre, les mecs, c'était même plus une tempête là. Donc les gars, là, je me rappelle de cette photo de ce toboggan. En gros, c'était en Thaïlande, les gars. C'était un hôtel où on était resté assez longtemps. Et là, je me rappelle, le toboggan, c'était un espèce de... Le bonhomme. Ouais, c'était un peu une tête. Et sa langue, c'était le toboggan. Et je me rappelle, on avait fait plein de sauts. Là, qu'on peut le voir, les gars, c'est Lilian. Je le reconnais parce qu'il avait les cheveux longs et même regardé sa tête. Franchement, les mecs, on dirait que sur la photo que je vais m'exploser la tête. Mais non, en fait, tu t'exploses pas la tête, etc. Et ça faisait même pas mal. Je sais pas si ça griffait ce que je me disais. En vrai, ça devait être cool, non? J'ai pris plein de photos, les gars. Ça, c'était moi. Moi, je faisais genre le beau gosse. Salut, tranquille. Et dans ma petite... Après les gars, encore une photo. Là, moi jamais je pourrais faire ça les gars, jamais je pourrais descendre comme ça. Je sais pas, ça va faire trop mal par contre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ensuite les gars, donc là, c'est moi comme on peut le voir, j'avais ce casque. Et en gros c'est une piscine. En gros pour ceux qui ne savent pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, ceux qui habitent à Marseille ou Yanis par exemple, quand il va regarder cette vidéo, il va se dire attends. Mais le gars il est dans la neige, mais il y a une piscine dans la neige. En gros je vous explique, sur les pistes de ski parfois, il y a des grosses piscines et en gros quand tu prends de la vitesse, et ben tu peux skier sur l'eau vite fait. Et genre normalement si t'as cette vitesse, tu mets bien en arrière, tu peux skier. Moi j'ai dû réussir là, je me rappelle une fois je suis tombé les gars dans une piscine, mais toi je suis toujours réussi. Mais moi franchement les mecs ça rappelle un mauvais souvenir pour moi. Moi c'est un mauvais souvenir parce que je me rappelle, c'était la tempête etc, c'était après notre entrée dans le ski. Et je l'ai fait et là j'ai déchaussé, j'étais dans l'eau, elle est gelée. Il y a personne qui voulait m'aider et tout. Je devais nager, frère. J'avais mon masque, mes gros chaussures, etc. Je devais reprendre mon ski. C'était épuisant. Ensuite, il y avait tempête de neige. J'étais tout gelé. La première fois que tu fais, c'est bizarre parce que regardez, on slide un peu. Vous avez vu les skis en avant et tout. Mais j'aimerais trop réessayer. Ça a l'air trop drôle, les gars. Quand ça pourrait être fun avec tes potes, etc. Mais quand moi, il faisait trop froid, etc. Mec, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, c'était cool, les mecs. Je trouve que c'est amusant de faire ça dans des pistes de ski. Et voilà. Ok, on passe à la prochaine photo. C'est parti. Ah merde, non les gars, ça ok c'est le film. Donc on va regarder un film les gars, attendez je coupe le son, tac. Donc en gros, je vous explique, notre père, on est allé faire une sortie en ski. Et notre père il nous avait filmé tu vois. Avec une perche et une GoPro, ouais. Une vieille GoPro Hero 2 c'est pour ça, Hero 2 ou Hero 3 c'est pour ça. Les gars je vais pas vous montrer tout le film, mais on va regarder un peu vite fait ok. Vous allez voir mes chutes, j'en ai deux, j'ai ça date d'il y a longtemps les mecs, franchement, on l'a déjà vu il y a longtemps. Et franchement c'est épique. Waouh, là on faisait des petits sauts etc. On est démonté les gars là. Regardez. Je vais tomber là bientôt. Aussi, et il a été. D'ailleurs, on avait acheté aussi, si vous demandez, il a quoi sur le casque? C'est des crêtes. Ouais, vous avez vu les gars. C'était pas la grosse chute. Ça, c'est encore une petite chute, hein. Hop, et là, regardez les gars. Là, ouais, vous allez voir. Donc là, en gros, on fait la descente, on est à pleine vitesse. Et là, je me rappellerai toute ma vie de cette chute, les gars. Vous êtes prêts? Moi, je suis le gars derrière, les gars. Donc, du coup, il vous mettra une flèche, le gars en orange, là, tout derrière, qu'on voit pas trop. Et là, regardez. Et mon père, il faisait des gros montages quand même. Oh, il me tire un petit, regardez. Vous avez vu les gars, c'est un ninja. Et moi, je continue comme ça. Ah les gars, je me rappelle là, j'étais en mode ouais, ça va bien, c'est bon, je suis relevé tranquille. Mais je me rappelle, j'avais pleuré tout, c'est mal. Mais t'es fait mal en vrai. Moi, il me rappelle même pas. Moi, je faisais coco avant les gars. Bref, c'est parti pour le prochain. À la prochaine photo, c'est parti, let's go. Donc, c'est parti pour la deuxième photo, les gars. Regardez, c'est Lilian parce que je me rappelle, j'en avais un rouge, c'était celui de Lilian, et ça noir, donc c'est celui de la Corse. Les gars, je sais ce qui se passe. Je me reconnais pas du tout les mecs. En fait déjà c'était en Corse et j'avais acheté ce bandeau. Cette pelle. Mais oui cette pelle on l'a toujours en plus. Je crois qu'on l'amène toujours en vacances. Les mecs regardez moi ce bandeau rouge. Et là il avait le même je crois en bleu. Je l'ai gardé depuis je sais pas quoi de temps. Je l'adorais franchement, je voulais le rechercher pour aller en vacances et tout. En vrai les gars je crois qu'on l'a encore dans l'armoire. Mais je me rappelle les gars, je me rappelle tout le temps qu'on est à la mer. Tout le temps on va vers les cailloux. On essaye d'attraper des crabes. Je sais pas, on est des psychopathes envers les crabes ou je sais pas. Mais on a essayé d'attraper des crabes, tout ce qu'on trouve, des crevettes et tout. Et là il devait voir un crabe, il a fait aaaah. Il a taillé les gars. Attends, je crois qu'on est une autre photo. Attends, Lilian habillé tout en rouge, vous voyez. Ah voilà, Lilian habillé tout en rouge. Et là Elliot en bleu, moi j'avais pas de bonnet, je sais pas ce que c'était. Il avait pas de paye, il avait rien les autres. Voilà, c'est qu'on côté les gars, à côté des cailloux, on cherchait des crabes et tout. Franchement c'est trop drôle cette pelle, elle me rappelle tellement de souvenirs les gars qu'on essayait de la passer, ce qui était trop drôle, bref. Ah ça rappelle ton souvenir. En gros, j'ai pris cette photo. Pourquoi j'ai pris à ton avis cette photo? Parce que ça rappelle les galères quand t'es à la plage et tu sais tu dois ramener la paillasse etc. Il est trop fort les gars, je vous jure, j'avais pensé dans ma tête, je me suis dit cette photo elle est rien. Mais après quand j'ai vu que j'ai la paillasse, c'est là quand tu t'embrouilles tout le temps pour qui prend la paillasse, qui prend le gros. Parce que nous on est 6 dans la famille, du coup il y a les serviettes etc. Et ouais, tout le monde s'embrouille, il y a tous les trucs avec les objets et tout, tu vois. Et du coup c'est qui prend ça. Et franchement ça c'est trop stylé, vraiment je le prends. Avec mon t-shirt pirate, je me rappelle moi. J'étais pas content de le prendre.
comprendre et lui il avait rien, il s'en fout. Et par contre, moi, vous pouvez le voir, les gars, j'ai jamais de sable sur moi. J'aime pas avoir un t-shirt quand je sors de la mer. Ouais, franchement, je sais pas si c'est tout seul, mais ça fait mal sel. Avec le sel, ouais. Et tout, genre, c'est horrible. Lui, il s'en fout. Même avoir du sable, etc., c'est un peu chiant, mais bon, là, je m'en foutais, ouais, etc. Ah, ce survêt de Cillian. Ouais, les mêmes shorts quoi. Ouais, franchement, c'était. Les mêmes tongs. Après, les gars, on passe à la prochaine photo. Donc, ça, c'est moi. Et devine pourquoi je l'ai prise. Non, si tu devines, tu trouveras. Parce que cette voiture, elle rappelle trop de bons souvenirs. C'était trop. Exactement. Bien. On l'a acheté où, Lien? En ta. Je crois qu'on l'a acheté en Thaïlande. Non, on avait acheté une voiture en Thaïlande, tu te rappelles? Elle faisait toutes les couleurs. Oui, bah, c'est elle aussi, on l'a acheté en Thaïlande. Non. Fighter, si. Je sais pas. Je sais pas les gars, en tout cas c'était une voiture. Franchement on l'avait dégommée elle. On avait tout cassé franchement. Wow. Donc là c'est devant notre porte. Donc là quand. Ouh, bah voilà. Quand vous rentrez dans la chambre quoi, il y a une porte comme ça. Il y a plus la mousse un peu bizarre, c'est, ouais. C'est à l'ancienne. Donc les gars, on avait un équipement, je me rappellerai toute ma vie de cet équipement. Ce petit chapeau de cow-boy, ce petit tour attack. Après on avait nos deux petits pistolets, je sais même pas ils servent à quoi. Notre petit manteau. Et notre petit manteau les gars. Et franchement là fallait pas nous croiser les gars. Là si on a qui font les mecs, on arrive comme ça les gars. Faut écoute là, what the fuck, comment on se ressemblait. Putain je fais tout le temps cette tête là quand t'es concentré. Et moi je suis. On dirait il me mord la langue gars. Il est en gars. Moi je suis. Lui, je voulais vous buter. Ouais. Mais les gars, il y a un mode. Donnez-moi vos bonbons, s'il vous plaît. T'as quoi ta gueule. Donne. Mais les gars, il y a un mode. S'il vous plaît, vos bonbons. Non, tu donnes, t'as compris? Il y a Bosch à gauche dans ses rivalités, donc Carnage, et à droite il y a Attic. Donc les gars, pour la dernière photo, j'ai fait exprès de la garder pour la fin. Comme vous pouvez le voir, il y a encore les pelles sur le côté. Donc là, comme vous pouvez le voir, nos pelles, c'était pour faire les caches. Quand on est en vacances, vous voyez, vous allez tous vous dire ça. Quand t'es sur la plage, vous voyez le petit casse-couille qui court, qui joue au foot, qui met du sable. Il accélère et il met du sable sur tous les gens. Il met du sable de partout, il chute les ballons dans les têtes. Dans les gens qui sont par terre. Et ben ça, c'est nous deux. Ouais, et après, 2 secondes après, ils se battent. Après, 2 secondes après, ils vont dans l'eau, ils se coulent. Ensuite, l'autre, il le poursuit, jette du sable. Après, ouais, tu bordel. Tu cours, l'autre, il prend les gens sur leur serviette, ils dorment. Ils se prennent du sable, un ballon de tête. Et maintenant, c'est ce qu'on fait, les gars. Là, je me rappelle où c'était. Attends. Au Lavandou. Ouais, au Lavandou exactement les gars. Donc là il y avait des pierres, je me rappelle, on avait fait les cartes et Lilian il était au goal. Et après t'en inversé. Ce qu'on faisait c'était que pour aller dans le sable en fait, on shootait, tac, il était plein de sable et là on Et moi je faisais le goal, etc. Je plongeais et tout. Parce que je me rappelle avant je voulais être goal, etc. Mais tu vois, je m'entraînais au goal, mais je préférais jouer, etc. On faisait des 1v1 et tout. Parce qu'en fait, le week-end de l'ascension, les mecs, on avait vu qu'il y avait 4 jours, on partait soit au Lavandou, soit un autre truc en France, bref. Pas très loin et on faisait des petites vacances tranquilles à la plage vu où on habite, qu'il n'y a pas la plage, tu vois. Du coup on essaie de profiter un maximum et franchement que des bons souvenirs. Ouais, vraiment là j'ai hâte de retaper un foot sur la plage et tout. Bref, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les abonnements et les commentaires. C'était Natomix Foot. Allez, ciao ciao et peace les potes.